Comment allez-vous? Je suis un petit peu à la bourre, enfin non, même pas. Je réglais un petit truc sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu comme d'habitude. J'avais envie de paillettes ce soir, j'avais envie de paillettes. Alors, hello, hello. Tac, 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 tac. Coucou Stéphanie, comment tu vas? Coucou Soso Paillette. Soso Paillette, on fait un live avec des paillettes, hein, pour José. Comment ça va les filles? Hop. Alors, du coup, petit make-up de paillettes. J'avais envie pour fêter la bonne nouvelle du voyage à Ibiza. Je suis trop contente. Et je me suis dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de violet, mais du vrai violet, pas du lilas, du violet, du purple. Donc, on va utiliser le Fair Lime Life, le 45. 45. Celui-là, le violet métallique qui est trop, trop beau. Comment ça va, les filles? Et des paillettes, forcément. Donc, on y go. Allez, je mets ma petite base. Des paillettes, ouais. Et non, mais je vous jure, je gère des trucs en ce moment qui sont quand même assez ouf. Hein. Là, je viens de. Je comprends pas les gens en fait, hein, je vous jure. Mais bon. C'est la vie. Eh, coucou David, comment tu vas? Donc là, j'ai mis ma base. Comme d'hab, après la base, le correcteur ou une base de teint. Une base de teint, n'importe quoi. Une base pour les yeux teintés, pour unifier la paupière. Vous voyez, moi, j'ai la paupière. Un peu rougi, un peu même grisé. Donc, ça va faire du bien. Bah, ça va super. Ça va super. Écoute, j'ai passé une belle journée. Je devais aller refaire mes ongles, mais finalement, ça a été reporté. Donc, c'est un peu. Là, c'est un peu une cata, mes ongles. Ça a été reporté. Donc, je vais essayer de voir pour faire quelque chose avant mardi. Parce que mardi, je suis en pratique en cours. Et les ongles longs, c'est pas pratique. Mais sinon, ça va nickel. Nickel, nickel. J'ai fait un petit essai marié bien sympa cet après-midi. Enfin bref, tout va bien. Coucou Marie! C'est vrai, t'es toujours dans les paillettes, ma poulette. Donc, correcteur 2. Comment ça va, Marie? Mais quel jour on est vendredi? Non, mais je sais même plus. Quel jour on est, moi? Ouais, lime et vernis, mais bon. J'ai pas trop le temps, vois-tu, de lime et vernis. Hop là! Ok. Oula. Où est-ce que j'ai mis mon beauty blender? J'ai hâte de refaire un peu de violet là. J'ai sélectionné des paillettes, ça peut être que trop beau. Que trop trop beau. Je vais utiliser un coup la poudre de chez NYX là. Can't stop, won't stop mattifying powder. Pour changer. Bon. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Moi, ce week-end, demain, je suis en mariage. J'ai deux mariages demain. Et ensuite, j'ai un salon l'après-midi. Week-end chargé. Mais bon, j'aime bien. Ok, ça c'est good. On va mettre les fards. Donc, et ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ce fard-là. Je sens que je vais encore me dire, ah oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. On prélève son fard avec un pinceau plat. On prend son spray fixant. Ça va venir vraiment donner du peps au maquillage. Oh bah c'est bien. Enfin, souvent le samedi c'est sport hein, de toute façon. Comme il est beau. Et le dimanche un petit peu plus paillasse. Nous en général Nico il a foot le dimanche matin. Alors, les fards métalliques, il faut vraiment bien, bien, bien écraser, vous voyez, le pigment
vont vraiment révéler le côté miroitant. Ouais, c'est Insta, hein, ma poulette. C'est Insta. Il y a des gens qui n'ont pas Insta. Et puis, il y a des gens qui doivent être en retard, qui m'avaient dit qu'ils viendraient. Mais oui, d'après les stats, on n'est que deux. Enfin, vous êtes que deux, plus moi. Hop là! Je cherche mon pinceau estompeur. Là. Non, ma poulette, bien sûr que non. Après, il y a des gens qui regarderont sans doute le replay, hein. Parce que souvent, quand je fais des lives, j'ai pas mal de vues, mais en replay. Puis, il faut le temps que les gens reprennent l'habitude aussi. Donc là, je l'ai juste déposé, je l'ai pas trop accentué. On va faire le teint. Et je viendrai réaccentuer le fard après. Donc le teint, ben, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous me suivez un minimum, vous savez, en VIP, c'est ça que j'adore le fond de teint de chez Lime Life. Et j'avais fait un super make-up ce matin. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo YouTube du make-up. Donc c'est dispo sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Du coup, je me suis démaquillée pour vous, hein, pour ce petit live. Vous avez vu comme je suis sympa quand même. Juste pour mettre des paillettes. C'est vrai que d'habitude, on est plus. Je sais pas, c'est bizarre, hein. Pourtant, j'ai fait comme d'habitude. Je l'ai dit sur Facebook. Je l'ai mis en story. Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Il y a un match. Il y a. Je sais pas. On est combien? On est le 7, 8. 7? Ouais, non, je sais pas. Strange. T'as délaissé YouTube. Bah, écoute, moi, je j'ai jamais trop délaissé. Mais là, je m'y remets un petit peu plus. Ben, la saison, elle est, j'allais dire, un peu plus calme. J'ai encore un gros samedi demain. J'ai encore des mariages, mais c'est plus autant que cet été. Donc, ça va. Coucou, Isa! Comment tu vas, ma douce? Hop là. Après, je suis certaine qu'il y en a qui se connectent encore sur Facebook. Hein. Ça va, ma lutinette? Ok, j'adore, 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 j'adore ce teint. Bref. Et là, vous êtes en live avec moi, hein, parce que des fois, on me dit, tu mets des filtres. Non, non, il n'y a pas de filtre là. Hein. Je suis en live. Oh, bah alors, ma poulette, qu'est-ce qui se passe? T'as le contre-coup de tes 3 semaines intenses là. Et du week-end dernier peut-être. Ok. Donc là pareil, j'ai mis la poudre de chez NYX. Blush bronzer. Bon, c'est mon bronzer du moment. Là, le bronzer de la Bronze and Glow Palette de chez Natasha Denona. Qui est très sympa. De toute façon, vous le voyez. Il y a des illuminateurs et tout, mais j'utilise que le bronzer. Après, il y a un bronzer crème aussi, non? Ça ne tente pas en fait. C'est terrible. Hein. Et regardez. Voyez comme ça structure. Je vais pas rester comme ça, mais vous voyez comme ça structure le bronzer. Tu as bien raison. Il faut, hein. Surtout, hein. Sinon, moi, je vais te gronder. Hein. Vous voyez, le bronzer, ça structure bien quand même le visage. Hein. Mes cheveux, ils sont tellement secs que
que quand je fais ça, il reste. Bon, vous avez vu les filles? Oh, coucou Florentin! Regarde, je t'envoie un big cœur. Vous avez vu la nouvelle, les filles? Je vous emmène à Ibiza avec moi au mois de mai, en story. J'espère juste pouvoir y aller parce qu'en fait, comme je sais pas si, bon, je pense que maintenant vous le savez, Isa et Soso, vous le savez, je passe une formation et les examens peuvent éventuellement tomber en mai. Donc avec ma poisse légendaire, il faudrait que ça tombe le jeudi ou le vendredi où je suis à Ibiza. Quand même. 2 jours sur 2 mois. Ça va tomber ailleurs, on est d'accord. Ça va pas tomber là. On va tous aller prier pour moi. Je souris parce qu'il m'en est encore arrivé une bonne aujourd'hui. Alors, il y a 5 minutes, juste avant le live. J'ai une de mes mariées du mois dernier qui m'envoie, qui en plus est une copine, qui m'envoie un message qui me dit regarde. Flinguée, hein, non mais comme quoi c'est toujours dans la continuation du truc. Il y a une nénette qui a pris la photo de mon make-up et qui l'a affichée en disant je recherche une maquilleuse. Ma pauvre petite mariée, elle dit, ben, elle dit, elle aurait au moins pu te demander si elle pouvait utiliser ma photo, quoi. Donc elle dit ben elle a répondu ouais mais de toute façon elle n'est pas dispo donc c'est pour ça que je voulais le même style de make-up. Ben je sais pas, communique. Un truc de fou hein. Ouais Isa, il faut hein. Il faut. Alors là on fixe. Préfixe, hein. Et je reviens sur les yeux. Hein. Je laisse pas comme ça. Hein. Là, comme on est sur un maquillage qui va être quand même assez intense, on va prendre le crayon plutôt que le gel à sourcils. Gel à sourcils, quand vous faites des make-up naturels, c'est nickel. Le crayon, c'est bien pour des make-up un peu glam, prononcés. Ouais, non, mais je vous jure, hein, les filles, terrible quoi. C'est comme si, je sais pas, en fait, j'ai même pas de comparaison. C'est les gens aujourd'hui. Non, Stéphanie! C'est pas vrai! Oh non! Truc de fou. Ah non, j'hallucine. Non! Non mais les gens, ils ont aucun... Flingué. Donc, j'ai la sourcil, n'importe quoi. Crayon à sourcils, donc moi c'est le médium. Pareil, ça dépend de plein de choses. Donc, ne prenez pas le médium parce que je prends le médium. Hein. Faut vraiment ajuster en fonction de la couleur de vos sourcils, la couleur de vos cheveux et de votre teint, etc. Ouais, non mais. Bah ouais! Flingué! T'imagines une. Oh non! En fait, si ça se trouve, ça... il y a des gens qui t'ont en photo, il y a plein de gens qui t'ont dans leurs assiettes. Chez eux, tu sais les assiettes là qu'on met sur les buffets, qu'ils mettaient avant sur les buffets en déco. Oh, flingué. Truc de dingue. Tu viens de faire ma soirée en fait, en vrai. Donc, je reprends un peu le violet et là je vais venir donner un côté peps. Vous allez le voir tout de suite. Donc c'est le violet métallique, hein, le 45. Vous voyez la différence entre les deux? C'est chiant, hein, avec le retour écran, c'est chiant. Ah ouais, regarde tes assiettes, Soso. Hein. Flingué, non, non, franchement. Trop rigolo.
Bon, moi, je suis bien contente parce que depuis qu'il y a la I believe, depuis que j'utilise la I believe, je vais estomper hein, parce que là, c'est pas joli. J'ai redécouvert quand même hein, une paupière. Hein. J'avais la paupière super tombante. Et là, je suis vraiment contente parce que, surtout celle-là, elle est beaucoup moins tombante. Oh ouais, non mais c'est ça. C'est exactement ça. Coucou Louane. Ok. Donc là, on va reprendre le violet, on va le mettre en ras-de-cils. Je vais le prendre avec celui-là. Et on va forcément mettre le crayon violet. Hein? Fais pas les choses à moitié, hein. Merci. Ce petit regard, c'est pour Isa. Elle a compris. Là 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 là. Donc, toujours le même fard. Il n'y a qu'un seul fard là, pour l'instant. Hop! Sosou. C'est ça. Ok. Donc là, pour l'instant, je suis pas trop mal. Ah non, je suis pas trop mal. On prend le crayon Pure Gold Powerful et on va prendre le violet, forcément. On va venir le mettre en muqueuse. On va être très violet, hein, totally purple. Et ce que j'adore, c'est qu'ils sont vraiment hyper raccord. Les deux couleurs sont vraiment hyper raccord dans les mêmes nuances. On dirait que c'est fait pour aller ensemble. Bizarre, non? Et pareil en muqueuse supérieure. Ça, c'est un coup à prendre, mais vous allez voir après, ça change quand même tout le make-up. Oh, je viens de me découvrir une ride. Là, ici, là. Petite. Comme ça. En plus, les autres, elles sont comme ça et celle-là, elle est comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Comme ça. Gros bisous, Florentin. Bonne nuit. Ok. Vous avez vu, ça ressort quand même. Maintenant. Il est l'heure des paillettes. Arrêtez de me faire rire. Coucou Babas. Babas, ne screen pas. Babas, en fait, il vient juste pour screener. C'est pas possible. Les paillettes de chez NYX, ça fait longtemps que je les ai pas utilisées. C'est les... Je sais même pas ce que c'est. Glitter paillettes métallisées. I'm back, ouais. C'est ça. Non, c'est pas ça que je voulais utiliser en plus, n'importe quoi. La palette Frozen, vous avez vu? Et il y a des paillettes en plein milieu, c'est la teinte Arendelle. Et du coup, j'ai envie de tester ça. Babas, pas de screen, please. Exactement. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Attendez, je vous suis plus les filles.
Mais non, c'est pas le maquillage de ma fille. J'ai celle-là. C'est Colourpop Fu. Ah, Fu, c'est d'ici. Donc je vais essayer de te rester cool. C'est Colourpop. Donc j'ai celle-là et j'ai Elsa aussi. Fu. C'est sorti. Comme quoi, des fois, ça sort tout seul. Bon. Je prends mon pinceau avec lequel j'ai mis le violet. Je vais venir. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais en prendre un propre. J'ai peur que sinon il y ait du violet dans mon fard paillettes. Je vais venir mettre du spray. Exactement. Non, dis-le pas à Salomé. Après, elle va encore vouloir se maquiller. Des petites paillettes. Donc, c'est vraiment des paillettes, hein. Enfin, du moins, quand je les ai testées, ça faisait paillettes. Ah, ça fait paillettes. Ouf. Bon, par contre, c'est carrément pas de la micro-paillette. Donc, à mon avis, il faut de la colle à paillettes. Je me dis qu'avec le mascara, ça va être canon. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Babasse, je sais que t'adores. Pas d'escrime. Non, non, pas d'escrime. Vous savez que la dernière fois, il y a quand même des gens qui sont allés lui réclamer les photos, hein. Et franchement, j'avais jamais testé. Bah oui. T'aimes bien Soso, hein? Mais je vais en mettre encore. J'ai encore envie d'en mettre, en fait. Ça va peut-être faire trop après. J'ai trop envie. Ça brille de mille feux. Ça fait penser un peu à Réponse. Lance ta chevelure. Eh. Babasse. C'est ça. Disco. Purple Disco Machine. C'est au moins Soso qui. Qu'est-ce qu'il veut des. Ah non, j'en peux plus. Chez Boris. Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? Bon, toi, c'est peut-être trop pailleté, hein. Mais regarde, tu vois, je te donne une idée pour la soirée du 22. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais en faire trop. On va mettre le mascara et on va voir ce que ça donne après. Isa, j'en peux plus. Non, c'est vachement sympa. C'est peut-être pas un make-up voilà, pour sortir tous les jours et encore que moi j'en suis capable. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mascara? Ben le Lime Life. Clairement le Lime Life. Allons-y. Avec le mascara, ça va. Ça va vraiment tout changer. Tu m'étonnes que tu surkiffes Soso. Et t'imagines ça avec un rose. Ou un bleu. Ça y est, je vais le décliner dans tous les. Dans toutes les couleurs. Alors, pour que tu vois les paillettes quand t'as les paupières qui tombent. Déjà, j'ai une super crème contour des yeux, Isa. Il faut que tu remontes un petit peu au-dessus de ton creux de paupière. Tu vois, par exemple, moi, j'ai la paupière, celle-là, elle tombe un peu plus que l'autre. J'ai mis des paillettes là, un petit peu au-dessus.
Coucou Manu, comment tu vas ma poulette? C'est des paillettes d'une palette Color Pop. Et un fard Lime Life. Que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, hein, ce fard. Mais je sais pas, c'est tout à l'heure, j'avais envie de violer. Ne me demandez pas pourquoi. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je fais une transition toute douce, mais entre deux, il y a Halloween. Mais comme je suis pas make-up d'Halloween, je vais quand même vous faire peut-être des trucs comme ça, mais je pense que ce sera plutôt du glam, dark glam, que du Halloween. J'invente des termes. Le mascara, c'est super important, hein, quand vous faites des trucs comme ça. Et là maintenant, les lèvres. Tu vois plus les commentaires? Mais c'est pas une palette pour enfants. Non mais lui alors. Va, bah, Vinguette, va. Ok, Babasse. Pas de souci, mon neveu. C'est une palette pour enfants. Alors je vais te faire la liste des palettes que tes cousines veulent pour Noël. Hein? Dans un ordre de prix de 25 euros à peu près. Et puis je les utiliserai du coup. Comment gruger les cadeaux de ses enfants, en fait. J'ai loupé des commentaires. Je vois plus les commentaires. Mince, mince, mince. Ah oui, c'est vrai, demain, t'es du matin. Non, j'en ai pas, ma poulette, des paillettes. À part les... On n'a pas de paillettes chez Lime Life. Ouais, c'est ça, ma poulette. Donc, du coup, Total Purple. Je vais mettre mon petit glow, quand même. Mon petit glow, mon petit glow, mon petit glow. Je vais mettre le même que ce matin parce que sinon je dois le chercher et voilà. Donc c'est la palette Born This Way de chez Too Faced. Oula. Oula. Et comme j'adore ça, puis on est sur un make-up où on peut, hein. Coucou ma poulette. Un petit peu de glow par-ci, un petit peu de glow par-là. Et on met le rouge à lèvres violet. Paillettes du bricolage des enfants. Oh, j'avais envie de paillettes. Bon, c'est très violet, hein. Et après, on pourrait peut-être même en mettre sur les lèvres. Ce soir, elle va dire, vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi je me suis pas encore fait opérer, c'est encore Jenny. Ça fait PN. PN. Ça veut dire quoi PN? Ça fait fuchsia. Alors celui-là c'est un. Pourtant celui-là c'est un violet. Cake pop. Cake pop, ouais. C'est un violet. Mais ouais, le retour écran, il est chiant. Est-ce qu'on met des paillettes? Ou pas? Sur les lèvres. Et puis à ça après. Hein. J'attends, 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 j'attends. Bah oui, grave, bah. Tu m'étonnes! Bon, allez, on va mettre des paillettes alors. J'étais partie sur un make-up pas du tout comme ça. Hein. Mais vous me connaissez maintenant, hein. Ça dévie. C'est quand même pas mal. Hein.
En fait, on est parti sur un make-up pas du tout prévu. J'avais regardé, mais je ne sais plus lequel c'était, ma poulette. Ils en font tellement. Bon. Oh. Peut-être que si, au final. J'allais dire bon. Donc c'est très flash, hein. C'est très très flash, mais c'est sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, là, normalement, on fixe. Et c'est bon, on est parti jusqu'au bout de la night, hein. Ok. Là, je fixe pas parce que, vous le savez, je vais prendre ma douche juste derrière, je vais tout enlever. Je vous fais les photos, tout ça, tout ça. Ah oui, je l'avais déjà fait une fois avec des palettes où en fait j'avais donné des numéros à mes fards, j'avais tiré au sort. Mon Dieu, je pensais que ça allait donner quelque chose d'horrible. Au final, c'était super sympa. Eh bien, je vais le tester, Alex. Tu vois, tu viens de me donner une idée de live pour le prochain live Insta, on va faire ça. Eh bien, je le fais, ma poulette. Hop, je vous fais les petites photos. Bon, j'avoue, c'est peut-être un peu trop les paillettes sur la bouche, mais bon. On était parti dans ce mood-là. Je vous fais les photos. C'est clair, Isa. Il manquerait plus que des loupiottes. Et je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dimanche soir sur Facebook à 20h30 pour un live make-up. Bisous, bisous.